remporter cette balle, il l'a sauvé Manu Amoros. Oh que c'est dangereux. Ah, c'est dangereux ça. Et frappe, c'est tourné. Et but. Oh que c'est dangereux. Et but réussi à la 17e minute par Baclamessek. Un échec. Quelle sur cette erreur de Amoros. Manu Amoros jamais relancé dans l'axe. Que c'est dangereux. On ne croyait pas si bien dire. Puisque cette relance dans l'axe, le ballon a été intercepté, il est contré par Laurent Blanc, me semble-t-il. Un tir détourné que Bruno Martini a failli avoir. Mais il était un peu juste, un peu court. Et voilà les Français menés ici à Bratislava avec une faute de Nemeshek. Il est un peu hors de forme. Oui, il a bien joué. Quitté de Christian Pérez. Papin. Et but. Formidable but. Formidable but. Quinzième but de Jean-Pierre Papin. Quelle frappe, quelle reprise de volée. Il Papin dans le texte du Pérez à l'origine. Et formidable, superbe. Reprise de volée. Ça, c'est un but. Croisé. Là, c'est la balle n'a été touchée par personne, non. Mais ça ne vaut qu'un point. Mais il y a un moment que Christian Pérez, grâce à ses ouvertures... Bien joué à Moros. Ah, c'est bien fait. Avec Christian Pérez, très bonne deuxième mi-temps du Parisien. Oh non, Papin. Il n'est pas hors jeu, pas du tout. Il n'est pas hors jeu. Attention, balle de match. Balle de match. Balle de match. Et but de Jean-Pierre Papin. Ouverture de Christian Pérez. Jean-Pierre Papin, voilà sur les cette deux ouverture. Héros, les deux héros, Papin, Pérez, Papin. Dernière seconde. On jouait les arrêts de jeu, c'est fini du reste. Et il est parti. Mikkelsen. Non, on ne le voit pas, mais il y avait Suzanne Stiefel qui couvrait tout le monde. Et ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il n'était pas hors jeu. Non. Pas du tout, car ce ballon a été donné au bon moment. Voilà, la France est en Suède. Pratiquement, il faut battre l'Islande, il faut battre... Non, il suffit d'un match.